Joseph Cagnel, je suis ingénieur-chercheur au sein du groupe Real IT et donc j'effectue une thèse en sciences de gestion sur la question de la transformation digitale des PME, spécialisée en management des systèmes d'information. Je suis parti début mai avec ma direction de thèse à Montréal au Canada pour participer à deux conférences. Donc ça fait partie intégrale d'un cursus classique de thèse, de participer à des conférences, de préférence à l'international. Et également, l'objectif c'est de partager les réflexions qui sont menées au sein du groupe Real IT et de les confronter à une communauté scientifique. Alors un colloque de recherche, c'est des professionnels d'un secteur académique qui se rassemblent tous les ans pour échanger sur des thématiques diverses et variées et sur l'état de leurs travaux de recherche. Et ça permet également de faire avancer la science. Donc la première, c'est une conférence de l'AGEXO, donc qui est une association francophone pour la gestion des connaissances. Et la deuxième, c'est la conférence de l'ACFAS, donc qui est une association plus transversale avec diverses disciplines scientifiques. Pour la première conférence d'AGEXO, nous avons présenté avec ma direction de thèse une communication qui avait pour objectif de voir dans quelle mesure la question de la maturité digitale des PME et de la gestion des connaissances pouvait être mixée pour traiter de la question de l'appropriation technologique, parce que c'est un enjeu stratégique lors de la transformation digitale d'une entreprise et d'une PME en particulier, qui fait partie intégrante des réflexions chez Real IT. Pour la deuxième conférence donc, de l'ACFAS, nous avons présenté une communication qui traite de l'aspect paradoxal de la transformation digitale et de voir comment finalement elle génère des tensions tout en les résolvant au sein des entreprises. Et ça également, ça fait partie des réflexions de Real IT. Nous avons bien conscience que ça va générer des tensions organisationnelles, stratégiques, d'appartenance, d'apprentissage également. Et donc finalement, les intégrer très en amont dans notre méthodologie d'accompagnement à la transformation digitale pour accompagner au mieux nos clients.